Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022 et déjà le mois de décembre. Alors, je vois qu'il y a plein d'ombres. Je suis désolée. Bon, on va faire avec, hein. Je vous invite alors à regarder la guidance mensuelle de décembre dans laquelle je parle d'un concours qui va être organisé. Je vous invite également à regarder votre signe solaire lunaire pour prendre toutes les informations qui vous parlent et de faire votre petite histoire. Voilà les amis, nous allons commencer avec Monsieur Augure Blanc pour voir quel message conseil mise en garde. Il a à nous donner du lundi au vendredi. Nous prendrons 2 cartes avec le Téléma le Normand pour voir quelles sont les énergies principales de la semaine. On fera 2 cartes sentimentales, 2 cartes pro, 2 cartes financières et 2 cartes surprise avec le petit le Normand. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est parti pour notre lundi. Nous avons Obéré. Alors Obéré, il va être question là de finances. De faire attention déjà à ses finances, avant de prendre une décision liée à l'argent, là, il va falloir se poser les bonnes questions et être vigilant, tout simplement. Aujourd'hui, il y a également une somme prêtée qui ne pourrait jamais ne vous être rendue, faites attention, un incident financier pourrait se produire. Aujourd'hui, lundi, financièrement, eh ben, il faut être extrêmement vigilant. Mardi, nous avons Dialel, renversement de logique. Eh ben, c'est tout simplement la surprise qui va vous attendre aujourd'hui. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va totalement vous surprendre ou bien quelque chose à laquelle vous attendiez absolument pas, tout simplement. Et ce, dans tous les domaines. Hein. Ça veut dire que vos convictions aujourd'hui vont plutôt être mises à mal hein, et pas forcément de façon agréable d'ailleurs. Vous pouvez faire une découverte. Qui pourrait remettre en question, par exemple, ce que vous pensiez sur quelque chose. Mercredi, Vélitation. Attention, Vélitation, c'est un petit peu l'escarmouche, vous voyez, la légère petite attaque. C'est simplement une mise en garde, là, une alerte sur une situation, sur quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas mesuré l'ampleur. Donc voilà, c'est peut-être un problème plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. En tout cas, il est conseillé de vous confier à un proche, là, si vous vous retrouvez du coup perdu et que vous ne savez pas trop comment procéder. Enfin, là, c'est vraiment un message qui ne doit pas être pris à la légère, qui vous dit de modifier votre situation. Jeudi, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça suit. Hein. Alors, jeudi, nous avons Genevis. Genevis, alors, je suis obligée de rire avec celle-là, parce que là, je dis qu'il y a des prudences dans les décisions cette semaine, et on tombe sur Genevis qui nous dit qu'on va peut-être être tenté de rejeter la réalité aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas vouloir voir les choses on doit les voir, ou comme on devrait les voir. Hein. Donc, prenez du recul nécessaire aujourd'hui, hein. Pour pas faire de bêtises, j'ai envie de dire. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire financière à la base qui démarre en début de semaine, à laquelle il va pas falloir se précipiter pour prendre une décision. Et là, il est vraiment même conseillé jeudi de prendre du recul avant d'ailleurs de prendre cette décision. Hein. Vendredi, veille de week-end. Alors, celle-là, je ne l'aime pas trop, parce qu'avec ses pistolets, vous voyez, les formes de duel, là. Vous allez certainement avoir une désagréable décision à prendre. Ou bien, il faut quand même savoir que l'effet de la carte, elle est atténuée le vendredi, d'accord? Mais on est plutôt dans la confrontation, là, dans quelque chose où on pourrait vous reprocher quelque chose, par exemple, hein, ou c'est même vous d'ailleurs qui pourriez reprocher quelque chose à quelqu'un. Mais c'est atténué. Sorti cette carte le vendredi, veut dire que même si c'est le cas, eh ben, vous n'allez pas relever l'affront. C'est quelque chose qui va glisser, qui va passer, tout simplement. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir. Alors, on va regarder maintenant hop, avec le Téléma. Quel est le message
enfin, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine, semaine du 28 novembre au 2 décembre. Amis Cancer, Poisson, Scorpion. Ouh là là, ça veut parler, hein. Allez, il y en avait trop. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Cancer, Poisson, Scorpion. 28 novembre, 2 décembre. Hop. Et nous avons... Bon, des nouvelles qui arrivent, mais pas des nouvelles forcément très agréables. Déjà, dans un premier temps, je vais pouvoir... enfin, c'est ce que l'on peut voir. C'est des nouvelles qui peuvent venir d'une femme pour certaines personnes, hein. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours des nouvelles très, très agréables. Il peut aussi être question de mauvaises nouvelles, en fait, hein, ou simplement de mensonges. Pour d'autres, vous pouvez recevoir aussi une lettre de menace, hein, pourquoi pas, de quelqu'un qui, apparemment, qui vous en veut. Pour d'autres, si c'est dans le domaine, on va dire, financier, ce que je pense, lettre égale chèque, égale argent. Attention, il y a quelque chose qui n'est pas très honnête autour de vous. Quoi qu'il en soit, dans tout ce qui est message écrit cette semaine, d'être vigilant parce qu'il y a quelqu'un qui, à mon avis, peut vous jouer un mauvais tour. Bien, allez, on va regarder un petit peu. Semaine du 28 novembre au 2 décembre pour nos cancers, poissons, scorpions. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Cancer, poisson, scorpion. À la coupe, nous avons. Il peut y avoir des conflits avec une personne plus âgée autour de vous. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous voulez la tranquillité, mais il va falloir, j'ai envie de dire, hein, je ne vais pas vous dire vous battre, mais il va falloir la défendre, votre tranquillité. Hein. Il peut y avoir aussi une certaine menace Voilà, mais il faut agir avec sagesse, il y a de la discussion qui est là, qui donc va être menée, peut-être des discussions sur des thèmes officiels aussi, une officialisation de quelque chose qui peut ne pas passer tout seul, qui peut occasionner un conflit, on voit que vous allez être tourmenté, hein. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué, quelque chose qui est pourtant vous avez envie de vous stabiliser, on voit que ça va revenir d'ailleurs à la stabilisation, on la retrouve, hein. Alors, ou c'est une femme qui va vous poser des problèmes, ou bien c'est une situation, j'ai envie de dire, qui va amener jalousie, qui va amener tromperie. On voit très bien qu'il y a quelque chose d'officiel qui peut être fait, en lien d'ailleurs avec le financier, vous voyez, il est là. Donc, vous pouvez tout simplement dégager, provoquer sans le vouloir de la jalousie, pardon, concernant le financier, autour du financier, sur quelque chose que vous allez décider assez rapidement d'ailleurs. Pour certains, vous pouvez couper aussi, couper une situation, couper un lien avec quelqu'un qui était peut-être agressif. Vous pouvez également couper ou changer, décider de changer de vie. On voit là un changement, voilà. Ça peut, bah c'est pour vous mon consultant d'ailleurs, hein. Ou un homme proche de vous, ou avec cet homme, si c'est vous, mesdames, qui regardez. Il y a des projets, il y a des choses qui sont prévues, mais qui ne vont pas se passer tout seul. On peut retrouver ces tensions que l'on a vues en énergie principale, d'ailleurs. Et donc, elles ne sont pas venues par hasard. Bon, allez, deux professionnels, deux financières, deux sentimentales, et deux surprises imprévues. Bon, ben, elles ont voulu venir, on les prend. Hop. Alors, nous retrouvons notre conflit. Hein. Il peut y avoir un conflit, confusion, doute. Vous allez effectivement, vous souhaitez mettre quelque chose en place. Vous souhaitez stabiliser une situation. J'ai l'impression qu'on va vous demander un petit peu de travail parce que... vous n'allez pas être aidé, j'ai envie de dire. On l'a vu avec les énergies principales, d'ailleurs. Hein. Vous n'allez pas être aidé. Et c'est aussi un projet, peut-être, qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui vous perturbe, parce que vous voulez, vous, mener à bien quelque chose qui, visiblement, va vous... Il y a un schéma comportemental, là, qui va être un peu presque impulsif, presque compulsif, d'ailleurs. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, soyez vigilants. Il y a vraiment une dispute là qui va vous perturber. Et ça peut être vraiment en lien avec une stabilisation, avec quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, j'ai l'impression que par rapport à cette dispute, j'ai envie de dire,
Ça va mener nulle part. Ça va vraiment mener nulle part. Ça peut être lors d'une fête, lors de avec des connaissances, peut-être aussi avec des amis. Voyez comment ça vous parle. On retrouve ce tempérage, comment je peux dire, agressivité qui est là. Il va y avoir une semaine un petit peu mouvementée, les amis. Alors, on va regarder professionnellement. Bon, déjà, on voit qu'il y a une rupture professionnelle. Vous coupez. Est-ce que vous arrêtez votre travail? Est-ce que vous coupez un contrat? Est-ce qu'on arrête un contrat aussi pour vous directement, hein? Il y a aussi des commérages qui peuvent venir troubler un petit peu le professionnel cette semaine, les amis. Ou l'activité, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, votre activité, votre vie de maintenant. On vous dit que vous allez vous décider aussi, franchement, à prendre une décision, certainement, par rapport à des communications, par rapport à des négociations. Alors, ça peut être également pour les gens qui sont travailleurs indépendants ou à leur compte, des décisions rapides. Pour la vie de tous les jours, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de communications, là, en lien peut-être avec des projets ou des démarches, et vous allez devoir vous décider assez rapidement. Financièrement, il y a du bonheur, il y a de la joie par rapport à des choix, des solutions qui sont arrivées. Et là, il y a quelque chose de beau qui s'est présenté à vous. Peut-être qu'y a-t-il eu une décision qui a fa... qui a... où vous allez être amené, peut-être, à prendre une décision financièrement par rapport à des opportunités. Vous allez peut-être devoir faire un changement également, un changement financier, mais qui est positif, hein, dans le domaine financier, je veux dire, qui vous amène du positif, hein. Avec ce bouquet, on voit qu'effectivement, financièrement, on fait quelque chose, il y a une réjouissance, il y a une rentrée d'argent, certainement inattendue. Et par rapport peut-être aussi à une décision que vous avez prise, sagement, qui va permettre cette réussite. Et je me demande si elle n'est pas en lien avec cette décision que vous allez devoir prendre, professionnelle ou dans votre activité de tous les jours. Alors, sentimentalement, on a plusieurs cas de figure. On a quelque chose comme en lien avec le passé, quelque chose de lourd par rapport à un changement qui se présente là, qui est beau d'ailleurs, hein. Il peut y avoir une grossesse pour certaines personnes aussi, hein. Oui, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc je disais, on peut se retrouver aussi là, quelque chose qui est comme, je veux dire, c'est votre destinée. Ça se produit, c'est là, il y a un changement, une amélioration, mais pour certains, ça peut être un changement qui va être contraignant. Alors, pour certains, ça peut être la grossesse qui vous arrive. Voilà, pan, ça vous contrarie un peu parce que c'était peut-être pas prévu à ce moment-là, en ce moment. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous venez de rencontrer quelqu'un et il va peut-être falloir vivre avec cette personne. Là, on est sur un changement qui n'était pas prévu. Les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes tristounés pour une situation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être cette personne aussi qui a un lourd passé, un lourd passif, hein. En tout cas, vous traversez une période difficile et c'est bien dommage parce que on voit que vous pouvez aussi changer. Vous pouvez mettre à profit cette occasion pour rencontrer quelqu'un ou pour démarrer quelque chose de nouveau. Les couples, on voit qu'il y a un heureux changement de vie là. Il est là, mais en même temps, il y a un sentiment un petit peu de sacrifice, hein. Voilà, c'est quelque chose de beau qui va se passer, mais en même temps, il va falloir peut-être traîner sa croix, j'ai envie de dire, en lien avec le passé. Alors, l'imprévu, la surprise, c'est que, ah ben voilà, on la retrouve, hein. L'imprévu, la surprise, c'est que vous avez une personne qui va essayer de vous bloquer là. Vous bloquer ou dans vos papiers, tout simplement, des papiers administratifs, des papiers, des documents qui vont être bloqués, ou bien vous avez également, bon, on ne va pas se mentir, la montagne, c'est les obstacles, le blocage. Alors, on va voir après en recouvrant dans quel domaine c'est, mais vous avez peut-être quelque chose qui est mis en route là, qui est. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, parce que vous avez un très beau jeu, hein, au niveau financier. Bon, sentimental, je vois quand même qu'il y a un petit quelque chose qui coince. Alors, est-ce que vous n'avez pas un adversaire? Est-ce qu'il n'y a pas une rivale? Est-ce que certaines personnes n'ont pas l'impression d'avoir une rivale à ce moment-là? C'est pour ça que vous traversez peut-être un petit moment compliqué sentimentalement. Vous avez peut-être des doutes, hein? Ou il y a un lourd passé derrière, donc qui fait que là, vous avez peut-être le sentiment d'avoir une rivale.
En tout cas, vous pouvez aussi, pour certaines personnes, vous retrouver bloqué dans une situation, dans une démarche, dans un événement que vous avez, que vous voulez mettre en place, que vous avez fait, qui fait que ça n'avance pas comme vous le voulez. Tout ça en lien avec des papiers, peut-être. On est en attente, hein, voilà, on se retrouve un peu, on va dire, c'est casse-pieds, quoi. C'est compliqué, c'est difficile, parce qu'en plus, on a certainement de la mauvaise foi en face. Ça peut arriver avec l'administration, n'est-ce pas? Tout simplement. En tout cas, faites attention aussi aux confiances, à la confiance à laquelle vous allez, aux gens avec qui vous avez envie de donner votre confiance. Ne la donnez pas à la légère non plus, hein, parce que sur du retard, ça pourrait vous revenir dans la figure. On retrouve bien ces énergies ici par rapport à du courrier que vous attendez, à une lettre, à éventuellement, on l'a dit tout à l'heure, hein, menace aussi hein, pour certaines personnes, hein, bien entendu, par rapport à tout le monde. Hein. Alors, ça peut être dans le côté sentimental avec une triangulaire, des soucis également. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. C'est un petit peu ce que je vois là qui ressort. Allez, on va recouvrir pour avoir d'autres informations. Semaine du 28 novembre au 2 décembre. Professionnel. Alors, j'en mets qu'une sur le financier parce qu'il est lumineux, il est beau. On ne va pas chercher. Voilà. Alors, par contre, on a besoin d'informations. Hop. Alors, professionnel. C'est beau, ces contrats qui arrivent, c'est bien ce que je vous ai dit. Ou certains décident de couper. On passe à autre chose. Il y a eu du dialogue et il y a eu genre rupture conventionnelle. On va dire, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine tranquillité, une certaine harmonie, une certaine paix en tout cas. Et on voit que ce n'est pas subi, hein, c'est voulu. C'est quelque chose que vous êtes peut-être en train de travailler sur des fins de contrat, des fins de travail, enfin, voyez comment. Ou voilà. Il y a quelque chose de beau qui se passe là. On peut avoir un changement rapide. Hein. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe assez rapidement là. Pour d'autres, on peut retrouver. Alors, on peut, pour certaines personnes, avoir effectivement eu un entretien avec une hiérarchie pour une fin de contrat. C'est également tout à fait possible. Vous ayez reçu ensuite votre lettre de fin de contrat. Mais il y a eu beaucoup de dialogues. C'est quelque chose qui s'est passé, on va dire, avec en toute, je ne vais pas dire en toute transparence, mais dans les règles. Hein. Et vous avez bien reçu votre courrier. C'est une très longue discussion qui a pu avoir lieu au niveau professionnel, également pour certaines personnes. Hein. On peut aussi mettre un terme, si ce n'est pas dans le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'on a pris une décision rapide. Par rapport à des discussions longues qui ont eu, des discussions très officielles. Et voilà, là, on va faire où c'est, on reçoit cet écrit, ou c'est nous qui faisons un écrit. Alors, donc, le financier, eh ben, eh, voilà, j'en prends qu'une et j'ai bien fait. Là, nous sommes vraiment sur quelque chose, une belle signature, une transformation, un engagement. Il y a quelque chose de beau qui se fait financièrement. Alors, c'est peut-être donc, comme je le disais tout à l'heure, ici, rupture conventionnelle, quelque chose qui a été acté officiellement, ou bien dans votre vie de tous les jours, quelque chose que vous avez pris une décision, coupé, récolté quelque chose. Et ici, on voit très bien cet engagement, cette signature, ce contrat, cette promesse. En tout cas, il y a quelque chose de beau financièrement qui se présente à vous là. Alors, sentimentalement, il y a plusieurs. Effectivement, on peut voir que pour certains, il y a un schéma répétitif. Est-ce que vous, comme le sentiment pour certains, hein, de vous casser la figure, j'ai envie de dire, au niveau sentimental, l'histoire se répète. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe. J'ai l'impression qu'il y a une douleur profonde pour certains par rapport à ce changement qui est alors sans doute là. Qui vous arrive, c'était pas prévu. Ça peut être vraiment en lien, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être en lien à une grossesse qui perturbe complètement, émotionnellement, qui vous perturbe beaucoup. Hein. C'est pas pour tout le monde, puisque tout le monde ne sera pas enceinte. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment un changement. Alors, il y a une opportunité, il y a un changement qui se passe là, mais. Ben, il va falloir traîner quand même, je disais tout à l'heure, hein, traîner sa croix, c'est peut-être rapide, et voilà, ça fait peur, hein, sans doute,
Il y a c'est également quelque chose qui peut se passer au niveau, c'est subi comme, enfin subi non, mais ça peut être comme un énorme coup de chance, cette transformation, ce changement, cette rencontre, cette relation. On voit qu'il y a de l'abondance de sentiments, donc c'est quelque chose qui peut être comme une opportunité pour certains couples, comme une deuxième chance, bien qu'on voit qu'il y a eu un peu de souffrance derrière, hein. Alors là, pour certains, vous pouvez être déçu d'un ami qui, en fait, lors d'une rencontre, lors d'une festivité, lors d'une réjouissance quelconque, vous pouvez très bien être déçu d'une personne. Pour d'autres personnes, vous pouvez entendre que c'est un ami, quelqu'un qui compte pour vous, qui se retrouve bloqué dans une certaine situation ou qui rencontre un problème justement avec une femme, une tierce personne. On peut retrouver ici les mêmes éléments. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui puisque s'il est dans votre jeu, c'est quelqu'un que vous appréciez, qui compte pour vous, mais il peut se retrouver bloqué, il peut se retrouver en situation, je vais dire, comme pas, je vais pas dire abandonné, mais voilà, il y a un petit souci, hein. Pour certaines autres personnes, il peut y avoir tout simplement une relation amicale qui va se retrouver au point mort pour X raisons. Alors peut-être pour quelqu'un qui s'immisce au milieu également, hein. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se met au point mort, là, qui n'avance plus, tout simplement. Il peut y avoir, pour d'autres, lors d'une rencontre, lors d'une réjouissance, lors de où il y a du monde, vous voyez, un regroupement, eh bien, on peut être très déçu dû à l'hypocrisie d'un ou des amis. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Et moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'éventuellement, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être un ami qui est mal accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que ça vient de là, le souci relationnel. Voilà ce que l'on pouvait voir pour votre semaine. Eh bien, nous allons terminer avec une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour la semaine du 28 au 2 décembre. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Ben, c'est pas beau tout ça, c'est très positif. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Merci en tout cas pour votre fidélité, votre soutien. Merci pour vos gentils commentaires et pour vos pouces, j'aime, j'adore. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.